Yo tout le monde, c'est Pred Queen et bienvenue pour la suite d'Horizon Zero Dawn épisode 19. Alors, avant de continuer la quête principale, j'avais envie de faire deux quêtes secondaires. Voilà. Alors je vais faire une, bon, qui est considérée comme une tâche, j'ai pas trop compris pourquoi, mais... Il y a un mec qui m'avait engagé pour tueur le gueule d'orage. Je sais pas c'est quoi, à mon avis c'est une grosse machine. Donc je me suis dit que ça allait être cool. Donc on va le faire maintenant. Et il y avait la quête, souvenez-vous dans l'épisode 18, avant que je descende dans les... Dans l'espèce de mine quoi, ouais, c'est ça, dans l'espèce de grotte. Il y avait un officier qui était condamné à mort et du coup je vais aller l'aider. Mais d'abord on va tuer le gueule d'orage, après on verra bien. Le gueule d'orage ne devrait pas être. Bon alors attends, parce que j'ai vu un renard aussi il y a deux secondes, il est là. Qu'il me voit. Bingo. Oh là, il y a un truc vert, putain, c'est peut-être une peau. Ah oh, putain, c'est un os. Je vais jamais réussir à avoir deux. Wow. Il est si gros que ça? Oh putain. Ah, là j'ai une peau. Ah, je vais pouvoir aller chercher ce que je disais la dernière fois, le kit de déplacement illimité. Bon, on va d'abord aller péter ce gros... Non. Je vais d'abord aller chercher le truc illimité. Parce que sinon, je vais oublier, si je me fais tuer, après, j'aurai pas trop, je vais pas retrouver la peau. Merde, je m'engoue tout seul. Du coup, le kit de déplacement illimité, pour ceux qui jouent à Horizon, ça se trouve là. Fourbrise. Voilà. Ça, c'est un camp, en fait. C'est un camp bandit qu'il faut nettoyer. Et une fois qu'il est nettoyé, il y a un vendeur, une vendeuse plus précisément. Et cette meuf là, elle vend justement le kit de déplacement illimité, c'est un kit violet. Et du coup celui là c'est, bah, comme son nom l'indique, il est limité. Après tu voyages autant que tu veux, c'est gratuit, voilà. Et du coup ce qui est bien c'est que je vais pouvoir vider mon inventaire, parce que moi j'en ai des kits de déplacement, j'en avais acheté la dose. Parce que je me suis dit, voilà, comme ça au moins j'en ai plein et puis je tombe jamais à court. Or, du coup, si j'ai celui limité, je vais virer les autres. Alors, attends, la meuf, elle est là, c'est celle-là. Alors, j'espère qu'elle l'a toujours, parce que sinon, je lui pète sa gueule. Alors, ressources. Voilà, kit de déplacement illimité. Sa mère la pute, j'ai plus de viande grasse. Je les ai vendus. C'est vrai, je les avais revendus. Bon, c'est pas grave, ça se trouve facilement. Mais du coup, voilà, au moins vous avez vu, c'est ici. Pack de déplacement rapide doré. Donc, cela, voilà. Cet objet accorde un nombre illimité de déplacements rapides au feu de camp et camp découvert un peu partout dans le monde. Voilà. Et il me fallait une peau de renard. Et du coup, maintenant, il me faut de la viande grasse. Donc, autant dire que je vais chasser comme un porc. Ah, que oui. Attends, on va vendre plusieurs, ça va aller plus vite. Bon, je me rappelais plus qu'il fallait la viande grasse, sinon je l'aurais pas vendu hier comme un con. Ce que je vais faire... Bon, alors la peau, il faut surtout pas que j'y touche, putain. Et la viande grasse, donc du coup, il m'en faut 9. Bon. On retourne là-bas. On retourne là, on fait une sauvegarde. Je vais aller péter la gueule aux gueules d'orage. C'est une espèce de gros T-Rex, à mon avis, je pense. J'espère qu'il va pas trop me faire chier. Je sais même pas combien, quel level il est. Ça va être chaud. Bon, ça fait combien de temps là? Ça fait 5 minutes. Bon, ça va. On n'a pas perdu trop de temps. Avec un peu de chance, d'ici la fin de la vidéo, j'aurai peut-être les viandes grasses. Donc je pourrais peut-être aller le chercher quand même. On va voir. Bon alors, une petite sauvegarde. Michel, sauvegarde, voilà. Sauvegarder, nickel. Bon, allez, l'autre, je vais lui faire le cul, et puis on revient. Bon, alors, s'il y a des animaux sur la route, je te jure que je les fume. Non, il n'y en a pas. Il a de la chance. Bon, qui dit gueule d'orage? J'ai jamais affronté de gueule d'orage, cela dit en passant, donc... Putain, donne-moi de la viande grasse, viande grasse. Viande riche, putain, je m'en fous de la viande riche. Bon. Donc comme je disais, ouais, j'ai jamais affronté de gueule d'orage, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je crois que c'est des machines très
très très très équipé. D'ailleurs, vu le bestiau, bon, fais voir les points faibles déjà. Rien ne peut remplacer. Attends, t'as pas les bonnes flèches? Oh putain! Oh la vache! Ah oui! Ah oui, monsieur, il enlève plein de vie! Je peux partir? Merci. Oh là 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 là. La queue, c'est un point faible? Comment ça? Ah ouais, d'accord. En fait, non, c'est une arme. Attends. C'est quoi ton point faible? C'est quoi? Y a pas de point faible? Wouh! Putain, il balance des drones en plus. Mais c'est quoi cette bestiole cheatée? Je suis en train de me faire violer là. Je sais pas si. Attends, c'était une quête de quel niveau? Parce que bon. Niveau 22! Mais oui, niveau 22! Fous-toi pas de ma gueule! Et quoi, genre je touche pas de là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah si, c'est bon, j'ai arraché un bout de. Bon alors les mitrailleuses, apparemment c'est sur le côté, sur les joues. Alors attends, y a pas un truc que je peux péter? Ouais ça. Voilà. Les bonbonnes là. Allez, ça va le faire. Même si je dois le désosser morceau par morceau, ça va. Oh! Ok. Il se barre. Ah, ça, c'est pas bon. Bon, ça se détruit tout seul. Oh putain. Putain, c'est chaud, hein. Et plus j'y enlève de matos, plus j'ai l'impression qu'il en a. C'est un truc de fou, c'est un tank ce truc. Et j'aimerais bien lui désosser sa mitrailleuse là. Parce qu'il m'emmerde avec. Voilà! Voilà, comme ça déjà t'arrêtes de me faire chier. Ah oui, donc ça aussi ça me fait chier d'ailleurs, cela dit en passant. Oh putain. Donc ça sort de ça là. Putain, j'ai plus de quoi me soigner, enfin. J'ai les potions, mais j'ai plus les plantes. J'ai l'impression qu'il va me spammer avec ça parce qu'il a plus que ça en fait. Voilà, tu peux plus maintenant. Enculé. Ah, où tu vas? Viens. Ben, je suis hors de portée. Je vais. Wow, wow, wow! Wow, c'est quoi ça? Il a encore des réserves! Oh putain, je vise comme une merde. Attends, fais voir. Vas-y, avance. Avance un peu. Enculé. Ah, la salope! Il recule! Bois la potion. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y avait le cadavre dur. Oh merde. Alors, il reste quoi comme point faible? Ça, c'est un point faible. Bon, je vis un peu comme une merde là. Voilà, t'as perdu ta queue.
rappelle ça. À me dire qu'il n'y en avait que 5. Cours, 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 cours. Attends, je peux pas le geler histoire de le bloquer un peu parce que bon, il me fait quand même chier, j'ai pas envie qu'il me charge. Vas-y, fume-le comme ça, voilà! Là, ça va chier là! Oui, je l'ai eu! Ah, c'est excellent! Je t'ai niqué, monsieur, et oui! Hop là, éclat de métal, putain, t'as vu le bordel, toi? Fait la taille d'une bagnole, l'éclat. Bon, alors, t'as quoi pour moi? T'as quoi pour moi? Oh putain! Hop, je prends tout. Bon, ensuite, il me semble que je t'ai un peu désossé par là. Du coup, je vais récupérer ça. Je récupère la queue. Combien d'éclats? 5 éclats? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends. Oh, un lapin! Oh putain de lapin. Il est où? Il est là. Oh, lapin renard. Renard et lapin. Le lapin, je l'ai raté. Attends, viande grasse? Viande grasse. Oui! Oh putain, je l'ai eu. Je sais pas comment là. Volonté divine, j'ai eu le lapin. Viande grasse aussi, parfait, 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 parfait. Je sais pas combien je suis par contre, hein, je tiens à le dire. Y a pas d'autres bestioles dans le coin? Bien sûr que si! Voilà! Eh oui! Et je suis sûr qu'il y en a encore. Bien sûr. Voilà. Alors ça c'est un os de renard, bingo. Il n'y avait pas de viande grasse, j'ai pas vu le logo de la petite patte de poulet. Par contre, lui il a encore un os. S'il pouvait me donner une deuxième peau, comme ça je pourrais améliorer mon stuff. Ah là il y avait une viande grasse par contre. Oh! Un truc à récup. Hop, merci. Un lapin! Voilà. Ça pourra me servir. Couché. Oh putain, il y a encore un truc là. L'œil de lynx, c'est moi. Viande osseuse, ouais, ouf. Non, c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Oh putain! Toi, t'aurais mieux fait de te barrer. Comme quoi, les animaux sont très cons. Enfin, celui-là, en tout cas, il l'était. Hop, je prends ça, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre bestiole qui traîne dans le coin? Bingo! Voilà. Il faut chasser pour avoir du stuff, comme on dit. Viande grasse, parfait. Je suis à combien? Ça m'intéresse de savoir à combien je suis, par contre. Je suis à 6, donc encore 4 viandes grasses. Et puis, je pourrais aller chercher mon kit de déplacement illimité. Allez, go. On va se rapprocher un peu du... Comment? Du point où il y avait le mec qui donnait la quête. Hop, donne-moi ça, je prends. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres bestioles? Oh putain, oui. Le lapin, il a donné une peau. Viande grasse, donc plus que 3. Viande grasse, plus que 2. Non, je reconnais directement les logos, en fait. Quand on chasse les animaux, les logos bleus, c'est les peaux. Et les logos verts, c'est des os. Et quand c'est gris, c'est qu'il n'y a rien du tout. Voilà, là c'est un os par exemple. Voilà, bingo. Oh, viande grasse, allez hop, plus qu'un. Je l'accueille. Putain, viande riche. Oh l'enfoiré. Là. Oh putain, oui, il y en a deux, il y en a même deux, il y en a même deux. Le deuxième, il est là-bas au fond. Bon, attends, j'ai le temps de prendre celui-là. Pas de bol pour toi, c'était de la viande riche. Ah voilà, la viande grasse. Donc là, normalement, je suis à 10. J'espère. Si j'ai bien compté. Ressources. Viande grasse, je suis à 10, bingo. Pourquoi il y a un point d'exclamation alors que j'ai pas récupéré de trucs... Enfin... Non. Bizarre, ça. Bon.
Et bah du coup, je retourne à ce putain de camp à l'autre bout de la planète pour aller chercher mon kit de déplacement rapide. Et je retourne encore une fois à l'endroit où j'ai eu la quête. Comme ça, on la rend. Voilà. Et comme ça, après, on fait la deuxième. Et je vais pas faire la... Comment? Je fais pas la quête principale dans cette vidéo-là. Là, je me concentre sur les deux quêtes secondaires. La quête principale, on fera ça dans dans le prochain épisode, en fait. Voilà. Voilà. Les gueules d'orage, les charognardes, les hautes pattes possèdent un composant qui leur permet de repérer lorsque vous vous cachez dans les hautes herbes. Les salauds. Bon. Bon. Cette fois, c'est bon. Et si elle me dit que c'est pas bon, putain, je lui mets une flèche entre les deux yeux. Merde, c'est vrai, c'est triangle. C'est con. Voilà. Kit de déplacement doré. Voilà. Bon, alors maintenant, je peux vendre toute la merde, hein. Voilà. Alors ça. Attends, on va faire ça. Au revoir. Au revoir. On va vendre ça aussi un petit peu, parce que bon, j'en ai quand même beaucoup. Je sais pas à quoi ça sert, donc bon. Ça fera de la thune en plus. Voilà. Flambé, on va en vendre un peu aussi. Voilà. La viande, alors là, ça dégage. Je veux plus voir ça. Voilà. Les os de dinde, mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'un os de dinde? Là, ça c'est pareil, on s'en fout. Ça, on s'en... Ça, j'en ai plus besoin. En fait, ça c'était vraiment des trucs que je gardais pour améliorer comment? Les armes et surtout mes poches. Enfin, les sacoches, tout le bordel. Et du coup, bah, comme j'en ai plus besoin, hop, ça dégage. Eh oui, monsieur. Voilà. De toute façon, même si... Oh! Ça, au revoir. Ça, au revoir. Ça, c'est 35, 37. Donc, 35, ça dégage. Et bah, 30, alors là, c'est même pas la peine. Et celui-là. Voilà. Ça fait de la thune. Et de toute façon, on peut toujours racheter ce qu'on a vendu. Donc, bon. Hein, voilà. Si je veux vraiment racheter ce que j'avais, j'ai juste à aller là et c'est bon, quoi. Voilà. Mais j'ai pas besoin. Voilà. Donc, là, je peux me téléporter illimité. Ouais, c'est bon. Ah bah c'est parfait. Il n'y a même plus le logo qui s'affiche. C'est parfait. Alors là, c'est le bonheur. Voilà. Donc ça, c'est le truc de déplacement illimité. Attends. Au niveau de l'artisanat, c'est celui-là qu'il faut que j'améliore. Il me faut une peau de renard. Encore. Oh, 70 emplacements pour... Putain, plus 30 de capacité pour les modificateurs. Oh, enfin, les modifications. Terrible. Ah ouais, autant dire que le reste on s'en bat les couilles, hein. Alors, j'avais à trouver un journal aussi, voilà. J'aime pas les points d'exclamation, voilà. Ensuite, on retourne. Attends, c'était ça, c'était là. Et rapporter le cœur à... Oh putain, j'ai bien fait pas le vendre. Est-ce que je l'ai toujours? J'espère. Bah, vu que c'est un objet quête, à mon avis, j'ai pas pu le vendre. J'espère, parce que sinon, je suis dans la merde. Pourquoi je peux pas avouer? Vous ne pouvez pas utiliser le déplacement arrêt pour rejoindre Brunante sans être déguisé en partisane de l'ombre. Oh putain, vous me faites chier! Ok. Ah ouais, parce qu'ils me connaissent, donc il faut que je me déguise. Ok, je crois qu'ils me l'avaient donné, c'est cette tenue. Non, celle-là. Voilà, maintenant, je peux y aller. Ouais, il faut être déguisé parce que vu que j'avais fait dans la dernière vidéo comment, enfin je m'étais fait attraper par le big boss quoi, et j'avais fait le combat dans l'arène. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je peux pas retourner à Brunante. Dans un sens, ça paraît logique, hein. Je me suis barré, c'est pas pour y retourner à la base. Alors, les variantes plus sophistiquées du lance-cordes comme le lance-cordes de l'ombre nécessitent moins de cordes pour entraver les machines. Bon. Il y a toujours des temps de chargement de l'infini et de l'au-delà, c'est génial. On est bon. Attends, il y a Michel, il était où? Il est là. La douairière Reine Nassadi vous offre cette nourriture. Elle sait que les temps sont durs et aide les nécessiteux. Mangez,
mais rapportez-en à votre famille, si vous en avez une. J'ai entendu des rumeurs à propos de toi. Dresseuse de machines, une belle lance, des taches de rousseur. Certains disent même que tu as une conscience. C'est vraiment incroyable. Qui es-tu? Tu n'as pas l'air de faire partie des Karja de l'ombre. Je m'appelle Vanasha. Pour l'heure, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis la raison dans cette fosse de démence. Waouh, pourquoi elle parle sans émettre un son? Je vois ce que tu veux dire. Je n'en doute pas. Et Utid non plus. C'est un homme bon, c'est pourquoi les Karja de l'ombre veulent l'éliminer. J'ai fait des recherches, et je pense qu'il se dirige vers le Mont Vert. Ses mercenaires ne tarderont pas à le trouver. Il aurait besoin d'aide, si jamais tu es partante. Pourquoi pas? Bon alors déjà, qui es-tu? Arrête de faire des mystères et dis-moi qui tu es vraiment. Que j'arrête de faire des mystères? Autant me demander d'arrêter d'être séduisante. C'est impossible. Ça va, les chevilles. Par contre, c'est pas elle que j'étais censé aller voir. Moi, il fallait que j'aille voir l'autre qui m'avait engagé pour tuer le gueule d'ombre. J'en ai l'occasion. Utile. Ou le gueule d'orage, pardon. Si il survit. Ok. Comment est-ce que tu sais qu'Utide est innocent? Je suis particulièrement douée pour enquêter. Écoute, il partage ses propres rations avec des orphelins et punit personnellement ceux qui s'en prennent aux personnes âgées et aux infirmes. L'imaginer quelqu'un de bien. Itamen est impossible. Il a dû tomber sur quelque chose qui pourrait nuire au prêtre. Sinon, Bahavas ne prendrait pas le risque d'exiger la mort d'un homme aussi respecté. Ouais, d'un sens, et le Mont Vert. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est sur le Mont Vert? Le Mont Vert. Il sait qu'il est recherché. Il lui faut une cachette qui lui soit à la fois familière et défendable. Il lui est déjà arrivé de repousser tout un clan de bandits à lui tout seul dans ses collines. Je pense qu'il choisira une option qui a déjà fait ses preuves. Je ferai mon possible pour Utide. Et toi, pendant ce temps? Pendant ce temps, quoi? Tu feras quoi pendant que je risquerai ma vie? Je me rendrai utile, petite chasseuse. Cherche 3 arbres morts à l'est de Brunante. Ils marquent le début du Mont Vert. Bonne chance. Ok, 2 secondes. J'ai, non, c'est pas ça. Attends, je suis perdu parce que... rapporter le cœur, c'est où le cœur? Il est où le cœur? Pour une fois. C'est toi? J'ai la pièce que tu voulais. Ah bah voilà. À ton tour maintenant. Soigne la fillette et je te la donne. Je vais le faire. Mais dis-moi, si cet enfant survit, quel sera son avenir à ton avis? C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Ça c'est clair. Mais quel optimisme. Bon, dépêchons-nous. Ma bonté ne supporte pas très bien la chaleur. Ouais bah dépêche-toi, sinon ma main dans ta gueule tu prendras mon garçon. Bah oui hein. Parler à Abbas, pas Abbas, Abbas, c'est qui Abbas? Il est où qu'il est? Abbas, 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 c'est lui? Bonjour. C'est toi? Content de te voir? Ben oui. J'ai amené quelqu'un pour soigner ta sœur. Comment tu... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter... Non, rien. Je ne veux pas savoir. Une ombre pourrait passer et tout emporter. Mais non, arrête d'être superstitieux. Monsieur va se consacrer à ta sœur, n'est-ce pas? Dès qu'il n'y aura plus de distraction, oui. Bah voilà. Rejoindre la toute mère. Non, 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 ça c'est la quête principale. Tu ne mourras point. Alors. Ça c'est quoi? Trouver un parrain. On s'en fout. Ensuite, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, les arbres morts, c'est ça. Le parrain, on fera ça plus tôt. Oh putain, c'est loin! Ah la vache! Brise rock. Ces saloperies de vers de terre là. Oh non 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 non. Putain, il y a 3 feux là et je les ai pas découverts quoi. Putain. Je vais aller à celui-là. Comme ça après je monte. Ou alors j'y vais à Pince. Mais à Pince ça fait loin. Donc on va y aller à celui-là. Voilà. Ah ouais, non, c'est déconné, là. Mais à mon avis, sur ce jeu, enfin, sur la map du jeu, des feux de camp, il doit y en avoir 150. Hein. Au bas mot.
Putain, le mec qui a découvert tous les feux de camp sur sa map, il y a des points verts partout. Déjà que j'ai encore plein de trucs à faire, ne serait-ce que les collectibles et tout, ça je le fais hors vidéo parce que c'est vraiment chiant. Et c'est vraiment chiant, voilà. C'est vraiment pas plaisant à faire. Enfin, moi je le fais pour les trophées, donc voilà. Mais c'est chiant. C'est sûrement là que Nassan devait retrouver son contact. Attends, c'est sûrement là que dalle, c'est par là. Oh, ça va, 300 mètres. Niveau 38 atteint, bah voilà. Bon, par contre, si ça dérange personne, genre mets ma tenue plus résistante, parce qu'une tenue verte, regarde, effet que dalle. Là, effet... Voilà. Je peux... tu te fous de ma gueule ou quoi? Change ta tenue. Inventaire, tenue. Voilà. On remettra l'autre quand on ira encore tournera du côté de Brunante. Ouais, Brunante. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on remettra l'autre tenue pour passer une appel dessus. Oh putain, renard. Donne-moi une peau. Merde, putain, comment j'ai fait pour le rater? Oh, un os quoi. Ah non, tu déconnes. Bon, tant pis, je prends quand même. J'en revendrai au marchand. Et ils sont radins en peau, hein. Ils aiment pas, hein. Je dois me préparer. Bon. On est presque arrivé. C'est derrière les rochers. Et c'est bon. Alors, il faut faire quoi? Il faut rejoindre les trois arbres morts. Et après, de là, je pense qu'il doit y avoir une piste à suivre. I suppose. Alors, les arbres morts, ils sont où? Bah tiens, ils sont là. Non? Bah, il y en a un là, du moins. Ah, c'est peut-être pas celui-là. Là, il y en a un deuxième. Oula, il y a un gros cochon, là. Et le troisième arbre mort, il est où? Trois arbres morts, comme l'a dit Banasha. Ah, bah non, en fait, c'est cela. Qui est passé par ici. D'accord. Ces traces mènent en haut de... Afficher la piste, bah oui. Sûrement le Mont Vert. Bon, bah par là. Le Mont Vert, c'est ça? C'est la montagne qui s'appelle comme ça? Dans mes améliorations, j'avais acheté, ouais, la course silencieuse. Le sprint est silencieux, réduisant fortement la probabilité d'alerter les ennemis proches. Ça, c'est bien. Après, je sais pas ce que j'améliorerai, par contre. Le double tir, ça peut être bien, mais ça peut être chiant aussi. J'aime pas tirer deux flèches en même temps. Après, je suis pas obligé, cela dit, hein. C'est quand tu fais R1. Mais bon. Ok. Les empreintes s'arrêtent ici. Bah ouais. Il faut grimper. Ça, je l'avais deviné tout seul. Je l'avais deviné. Voilà. Allez, on est presque arrivé. C'est pas pire que la falaise de la dernière fois, hein. Ouais. Accroche-toi. Non, c'est pas le moment de bugger. Putain, elle va se péter la gueule, ça continue à force de faire la conne. Voilà. Bon, maintenant, on continue et on est presque arrivé. Bon, j'ai réussi. Où est-ce que mes restes de repas? Utide a dû s'arrêter pour voir s'il était suivi. Ouais. Et il était suivi. Attends. Il a sûrement repris sa route. Je dois le rattraper. Bah, montre-moi. Il a pris sa route, c'est bien ça, mais où? Ok. Il y a des bestioles de loin ou pas? Non, pas de machine. Pas de machine en vue. C'est quoi le logo bleu là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Un caveau peut-être? Une machine morte. Utile à chasser. Ouais, oui, c'est défendu. Tout ce qui pouvait servir a été enlevé. Non, pas tout, regagne encore les bonbonnes. Utile rassemble des matériaux. Sûrement pour faire des munitions. Oh, putain de merde. Ah, des étincelles qui cherchent une charogne.
Même l'autre, il a pris un coup de froid. Et par contre, l'autre, c'est déconné qu'il soit là-haut. Là, je peux pas le tout. Oh bah si, il en a pris une en pleine poire. Vas-y, tombe, parce que si pour récupérer les matériaux, je fais comment moi? Voilà, et le dernier. C'était vite fait ça. Je déteste ces machines. En fait, j'aime pas les machines qui volent. Mais à la limite, elles sont. Je sais pas si elles sont moins chiantes, remarque. Parce que quand tu tombes contre. Enfin, celle que je déteste le plus, on va se mettre d'accord tout de suite, c'est le brise-roc. Je sais pas. Oui, j'en avais déjà croisé un dans une vidéo, c'est sûr. Tid a abattu un ravageur. C'est énorme. Ça n'a pas dû être facile, mais ces pièces en valaient la peine. Un ravageur, c'est quoi un ravageur? C'est. Je sais pas. Un ravageur, qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais croisé des trucs comme ça, si? Je sais pas. Ou alors c'est peut-être celui de la dernière fois qui se met invisible. Mort. Encore des pièces pour le stock du Tid. Ouais, et pour le mien aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Signal noyau de traitement puissant de conception inconnue, source proche. Attends. Il faut que je cherche un truc. Voilà. Il est parti, il est monté. Eh mais moi, il faut que je descende. Il y a un truc là. J'ai l'impression que c'est sous terre. Bingo. Ah, de la merde. Non. Je me casse pas le cul à descendre pour tout remonter après. Hein. On va se concentrer sur la quête, l'exploration, on fera ça plus tard. Oui, monsieur. Bon, il n'y a pas de barrière. Hein. Donc, il faut pas se péter la gueule ici. Oula. Attention. C'est Utid ou pas? La prochaine touchera sa cible. Oui, c'est lui. Utid? Tu es jeune pour une chasseuse de primes. Ou je suis vieux pour un soldat? Je ne suis pas là pour la prime sur ta tête, Utid. Je crois que tu es innocent. Innocent? Allez, viens. Si c'est une ruse, elle est pas mal. T'as mérité ta prime. Faut que je lui pète la gueule? Attends, je me permets de faire le tour du proprio. Réserve. Tu m'en veux pas? Merci, monsieur. Il a l'air très chaleureux, hein. Il me laisse me servir chez lui. C'est cool, ça. Je veux juste te parler. D'accord. Je t'écoute. Je veux savoir ce qui s'est passé à Brunante. Ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Chaque matin, on annonçait la mort de quelqu'un au campement. Dans son sommeil, sans lutte. Les vieux, les infirmes, parfois les jeunes. Ceux qui ne pouvaient pas servir la cause. J'aurais dû comprendre que c'était une sélection. Qui a pu faire ce genre de choses? On disait que c'était un esprit, une malédiction. Mais c'était juste un homme. Et un poison silencieux. Il a fallu du temps, mais on l'a eu. On l'a amené devant Bahavas pour être jugé par le soleil. Le haut prêtre Bahavas? Celui avec le gros couvre-chef sur la tête. Ouais. Il m'a remercié pour ma vigilance, puis a dit à ses gardes de relâcher le coupable. Tu comprends? C'est lui qui avait ordonné les meurtres. C'est là qu'ils nous ont attaqués. J'aurais dû mourir avec mes hommes, pour que leur loyauté ait un sens. J'ai servi le soleil 20 ans. Et pourquoi? La ruse et le meurtre? L'honneur? Le sacrifice? Le vrai sacrifice? Celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout. Ce n'est que du vent. Si c'est l'honneur que tu cherches, les Karja du Soleil semblent honnêtes. Un peu coincés, peut-être, mais honnêtes. Ces Karja ont jadis pillé les terres Nora.
et toutes les terres qu'il pouvait atteindre. C'était la volonté du soleil. J'ai suivi les ordres. Mm-hmm. D'autres ont fait pire. Mais en tant que capitaine... Utide, je me fiche de ce que tu as fait. Je peux pas t'absoudre. Mais les Karja ont changé. Tu le peux aussi. Peut-être. Avad ne comprend pas ce que le soleil exige de ses soldats. Ou peut-être qu'il le comprend trop bien. Tu parles comme Marad l'irréprochable. Je veux bien croire que tu es bon. Mais pourquoi avoir rejoint les Karja de l'ombre? Pourquoi les servir? À cause d'Itamen, bien sûr. C'était le roi soleil incontestable. Itamen n'est qu'un enfant? Oui. Un vaisseau encore pur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils l'ont utilisé. Lui, notre foi. Je vois clair maintenant. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom. Je l'ai fait seul, en servant un trône corrompu. Je vois. J'ai rencontré une personne qui veut t'aider. Une femme du nom de Vanasha. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Quel est ton titre? Tu as l'air d'une chasseuse. Tu donnes des ordres comme un soldat. Je suis une chercheuse. Pas chasseuse. Tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent? J'aurais dû rester dans les plaines, Karja. Les montagnes nous appartiennent. Les tueurs de Kiko. C'est qui ces mecs-là? Quand on en aura fini avec toi, pas un écho ne restera. Tu n'étais pas très difficile à suivre. On aurait presque dit que tu voulais être attaqué. Rien ne t'échappe. Il voulait vraiment se faire attaquer? Bon, du coup, vu que ça fait quasi 40 minutes, je pensais avoir le temps de tout finir, mais bon, ça, après ça va encore faire une vidéo comme l'épisode 18 qui dure une heure, donc non merci, on va essayer de réduire un petit peu. Donc, on va s'arrêter ici, je reste en mode pause parce que je vais tourner l'épisode d'après, tout de suite, en fait, et comme ça, je le mettrai direct quoi, voilà. Donc et bien ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et puis moi je vous retrouve la prochaine fois lors d'une nouvelle vidéo, tchuss tout le monde et portez-vous bien.